week-end est un week-end festif à l'Université catholique de Lyon, puisque à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, eh bien, nous accueillons pour la 7e année consécutive notre édition de Musicly, qui pour cette année est une édition un petit peu hors norme, puisque nous avons collaboré avec la Caravane des Dymos. La Caravane des Dymos, c'est une association qui promeut la francophonie et qui cette année va partir de l'Université catholique de Lyon, du campus Saint-Paul, pour rejoindre le château de Villers-Cotterêts à l'occasion du sommet de la francophonie. Et nous avons eu la chance d'écouter Jacques Toubon, qui, comme chacun le sait, a été ministre de la Culture. Il a été aussi garde des Sceaux et défenseur des droits, qui nous a parlé de la francophonie aujourd'hui. Dans ce cadre-là, nous avons eu la chance aussi d'écouter nos vieux collaborateurs qu'est le Quatuor Debussy, pour un grand concert où la musique de chambre résonnait avec Mehdi Krüger, qui est un très bel artiste slammer. Alors, c'est un festival qui devient de plus en plus tous azimuts, puisqu'effectivement, nous avons accueilli un artiste, Hachao. C'est un artiste qui est très inspiré de Matisse, mais qui va aussi trouver beaucoup d'inspiration dans ses voyages en Orient. Nous avons eu la chance aussi d'accueillir le Festival Connexion, un organisme qui va promouvoir la réalité en 3D. Comme chaque année, effectivement, nous avons une scène ouverte où les étudiants de l'UCLI peuvent venir partager leur amour de la musique, ce qui est tout à fait original dans le festival Musicly, c'est que c'est un festival qui est fait par des étudiants. La mission culture travaille avec des étudiants qui sont à chaque fois très très investis dans le montage de ce festival pour une réalisation qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce qui me paraît essentiel, c'est que les étudiants gardent la main sur ce festival. Mais ce qui va être intéressant, c'est justement que les étudiants se saisissent en fait de leur lieu d'apprentissage, qui est aussi leur lieu de vie, à savoir leur campus.